the great opportunity for reset. We believe is needed is a reset. C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant, c'est terminé. C'est terminé. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. This is a time for a great reset. Ou le grand ménage. Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de ERFM. Alors oui, c'est une émission de radio en couleur, c'est un peu la spécificité de cette nouvelle formule que nous avons lancée à l'initiative d'Alain Soral, qui est présent parmi nous. Alain, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes également en présence de Xavier Poussard, le directeur de la rédaction de Faits et Documents. Bonsoir à tous. Également de Yann Purdomme, directeur de l'antenne de RFM. Bonsoir. Nous avons conçu cette émission, Alain, nous la voulions intitulée « Le Grand Reset » ou « Le Grand Ménage ». Ce sera une série de plusieurs émissions qui se feront suite et qui seront un petit peu éditées au fil de l'eau entre maintenant et le printemps prochain. Et vous avez voulu concevoir ces émissions, je dirais, de manière assez thématique pour que nous puissions faire le tour de la question. C'est vraiment l'objet de cette émission ce soir, de faire le tour de la question du Grand Reset. Alors, à cette occasion, nous inviterons également d'autres épées de la dissidence. Je me réserve les noms pour l'instant, mais nous vous réservons quelques surprises. Nous allons faire le tour de cette question, d'abord en faisant une sorte de préhistoire du Grand Reset. C'est le thème de ce soir, et puis nous ferons le tour thématique de ce Grand Reset avec différents sujets, différentes thématiques comme Big Tech, Big Pharma, évidemment, nous parlerons du Covid, et puis nous parlerons aussi des perspectives que nous promet ce Grand Reset. Alors Alain Soral, à tout seigneur, tout honneur, j'aurais envie, avant de vous interroger, de vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez identifié comme événement annonciateur de ce que on appelle désormais le Grand Reset. Quels événements pouvez nous mettre sur la piste de ce qui est en train de se produire? Bah, je peux déjà rappeler qu'en 2011, j'ai sorti un bouquin qui s'appelait « Comprendre l'Empire » et dont le sous-titre était « Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations ». Et on est quand même bien dans cette séquence qui, en fait, s'appelle « Le nouvel ordre mondial ». Le nouvel ordre mondial avance, et ce qu'on peut remarquer, c'est que, comme toujours d'ailleurs les phénomènes historiques, ça avance lentement, et puis à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le saut qualitatif, quoi, le bond. Et là, il semblerait que, à partir d'une situation qui évoluait ou qui pourrissait selon la façon dont on la juge depuis quand même longtemps, enfin au moins depuis la crise des subprimes, depuis 2008, ça pourrissait, ça avançait lentement. On avait des signes comme quoi la crise structurelle, puisque là on va parler surtout d'économie et de finances, s'aggravait. On disait bon, bah, ça tient encore, ça tient encore, ça tient encore. Parce que moi, je pensais en gros que ça pèterait vers 2012. Hein. Il y avait une espèce d'année symbolique qui était 2012, que j'avais sorti mon bouquin en 2011. Et puis ça a traîné. Je me posais même la question à un moment donné, je disais même à Jovanovic, finalement, tous les jours, on annonce que ça va péter, puis ça fait quand même depuis 2008 que ça tient. Et puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose là qu'on est en train de vivre, hein, et qui est arrivé évidemment de manière un peu masquée, hein, c'est-à-dire ça s'est appelé la crise, la grande crise du Covid. Mais il est évident pour moi que ce qu'il faut comprendre par le Grand Reset, c'est le moment où le nouvel ordre mondial qu'on appelait la mondialisation et qu'on nous présentait au départ comme une mondialisation heureuse, heureuse, nécessaire, rationnelle, inéluctable, au sens italien, au sens demain, qu'on voit bien, aujourd'hui, on est en train de nous l'imposer de force, non plus par une stratégie de séduction ou de persuasion, mais par une stratégie de peur, de terreur. Ça serait comme ça qu'il faudrait poser l'objet. Alors après, si on veut avoir des dates importantes, si je veux faire une présentation un peu plus historique, rappelez-vous qu'en 1992, je crois, Fukuyama avait sorti un bouquin qui s'appelait « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Et c'était un peu de dire qu'avec l'effondrement de l'URSS, c'est-à-dire l'alternative communiste, le marché, la logique du marché, c'est-à-dire le libéralisme, était devenu une évidence et en fait était devenu la fin des tâtonnements idéologiques et le passage, je dirais, à l'évidence et au réel. Hein, c'était ça l'idée.
Et en fait, cette espèce d'éternité qui nous était annoncée, c'est-à-dire qu'à partir de 1992, il n'y avait plus de... Le monde était le monde libéral et il n'y en avait plus qu'un. Et bien finalement, c'est ce qu'on a appelé une courte éternité, puisque 16 ans après, en 2008, il y a eu cette crise des subprimes qui nous a pété à la gueule. Et là, il faudra qu'on insiste là-dessus, on a nos spécialistes, qui était en fait la preuve que l'économie libérale, qui, faute d'adversaires, était devenue entre-temps dérégulée, déréglementée mondiale, hein, c'est-à-dire le marché s'était étendu et avait fait tomber toutes les barrières qui limitaient sa toute-puissance, et bien, avec cette marche en avant et cette extension, se sont aussi exacerbées ces contradictions internes. Parce qu'en fait, ce que l'effondrement de l'URSS a masqué, c'est que l'URSS est tombée du fait de ses contradictions internes. Le socialisme réel s'est effondré du fait de ses contradictions internes, mais ça n'a pas pourtant aboli les contradictions internes, on va dire, du capitalisme, hein, pour être un peu marxiste. Et en 2008, elles nous ont quand même pété à la gueule. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2008, il y a eu un diagnostic qui a été fait par tout le monde, qui était trop de création de fausses monnaies, trop de finances, danger de la déréglementation, de la dérégulation, etc., etc. Et ce qu'on a vu là, c'est que les puissants, puisqu'on a bien compris que le monde capitaliste et le monde de la finance étaient devenus le dominant politique, ils n'ont plus personne au-dessus d'eux, c'est eux qui décident de la politique, au lieu de corriger le tir en retournant à des pratiques plus raisonnables, hein, je ne vais pas trop déflorer le sujet, ont continué à aggraver les choses. De plus en plus de faux dollars, de plus en plus de dettes irremboursables, de plus en plus de profits financiers virtuels, etc., etc. Comme si, en fait, le fait que ça tient sur le plan de la démonstration, on va dire, mathématique, faisait que le réel allait suivre. Hein. À un moment donné, on a eu un monde inversé, c'est-à-dire qu'on est passé des mathématiques au service de l'économie aux mathématiques qui produisent purement et simplement de la magie économique. Et à un moment donné, il s'est passé une deuxième date, c'est 2014, je crois que c'est Madame Lagarde qui a annoncé, dans un espèce de discours un peu kabbaliste à base de reset 777, qu'il faudrait, elle a annoncé la date en 2021, procéder à un grand reset, hein, c'est-à-dire une grande réinitialisation. My last R is reset. We seeing as necessary going forward a reset in the area of monetary policies. Ce qui voulait bien dire que les tenants même du capitalisme financier mondialisé admettaient qu'ils étaient arrivés au bout d'une logique et qu'il faudrait à un moment donné faire une réinitialisation, c'est-à-dire une remise à zéro des compteurs. Alain, est-ce qu'on peut faire coïncider cette crise présente avec ce que le marxisme ou la critique, plus globalement la critique du socialisme, a formulé comme la crise terminale du capitalisme ? Est-ce que ce sont deux événements, uniques ? Est-ce qu'il s'agit d'un seul événement ou est-ce qu'il s'agit de deux choses différentes ? Moi, je me méfie toujours quand on parle de crise terminale. Hein. C'est-à-dire que, en général, l'histoire montre que c'est jamais terminé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, d'abord, l'outil marxiste est très utile pour comprendre ce qui se passe en ce moment, hein, puisque là, je peux faire une remarque importante, c'est que des gens pensent qu'on est en train de passer du capitalisme au communisme en douce, alors qu'en réalité, quand on lit Marx, on se rend bien compte que Marx annonce bien que les contradictions internes de la logique du capital, ce qu'on appelle la dérive de l'accumulation, amènent à une concentration maximale de capital dans des mains de plus en plus réduites, donc à quelque chose de dictatorial. Où là, je vais faire une deuxième remarque, c'est que beaucoup de gens ont cru, parce que ça les arrange, notamment les libéraux, que 1984 d'Orwell, puisque c'est très présent hein, en ce moment, Le meilleur des mondes, 1984 d'Orwell, beaucoup de gens ont cru que 1984 d'Orwell décrivait et ne décrivait que la société soviétique. Et donc, ils disaient, le communisme soviétique amène au totalitarisme, et donc la liberté, c'est le libéral. Alors qu'en réalité, dans le livre d'Orwell, c'est assez présent, il décrit une dérive totalitaire qui englobe aussi bien le système capitaliste que le système socialiste, qui sont les deux faces d'une même médaille en réalité. Et là où je veux bien poser le débat dès maintenant, c'est que nous n'assistons pas à une révolution en douce communiste. En fait, nous assistons à ce que Marx a décrit, c'est-à-dire la dérive de l'accumulation capitaliste qui, fatalement, arrive à la fin à quelque chose qui est l'inverse du marché libre et non faussé, mais qui est une dictature oligarchique totale, avec en plus une guerre civile généralisée, hein, il montre bien le tous contre tous, l'aliénation maximale par le fétichisme de la marchandise, etc., etc. Donc là, moi, j'incite les gens à retourner à Marx
et à bien comprendre que c'est pas parce que le socialisme est tombé de ses contradictions internes que ça a annulé les contradictions internes du capitalisme, car je le rappelle, si, dans une logique de logique des ensembles, le communisme, le socialisme n'est qu'un moment en fait du capitalisme. C'est un moment où des gens, en critiquant les contradictions internes du capitalisme, ont essayé de produire une offre alternative, mais en réalité, le communisme, dans sa naissance comme dans sa mort, n'est qu'un moment de la grande épopée du capital, hein, puisque je rappellerai simplement que s'il y a eu la critique du capital, c'est parce qu'il y a eu le règne du capital, c'est parce que la société bourgeoise a pris le pouvoir sur le monde occidental et des gens ont produit une critique de cette société. Et donc, en fait, le communisme est un chapitre, en réalité, du capitalisme. C'est un moment critique qui échoue, mais ça ne remet pas en cause les contradictions du capital. C'est là où il ne faut pas qu'on tombe dans le piège et l'arrogance de ce que j'ai entendu récemment sur Radio Courtoisie. Un autre message. Je pense depuis un certain temps que nous sommes dans un pays communiste. Certains adoptent un comportement de capot, cordialement. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Et un autre message, cette réinitialisation est en vérité le retour d'une société qui fonctionne sur un mode communiste. C'est le communisme qui revient, comme si Soros, Attali, Minc s'étaient convertis en douce au léninisme. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Et deuxièmement, de comprendre que même si l'URSS est tombé, bon, il s'est tombé parce que ça méritait de tomber, la dérive de l'accumulation et la dérive du capital a continué, et là on est arrivé à un tel niveau de contradiction et de dysfonctionnement que les tenants du capital sont obligés eux-mêmes d'abolir, je dirais totalement, les lois du marché, d'une certaine manière, alors qu'avant ils les avaient truquées et aménagées, c'est-à-dire qu'on était... On n'était pas dans le libéralisme concurrentiel à l'ancienne, hein, c'est-à-dire le marché libre et non faussé. On était déjà dans du monopolisme, on était déjà dans des processus comme ça de trust, de développement inégal, toutes ces choses qu'on étudie quand on étudie l'économie marxiste. Et là, on est arrivé à un tel niveau qu'effectivement, les tenants du capital, qui sont aussi les tenants du politique, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de contrepoids, ils ont pris les pleins pouvoirs. Et ben eux-mêmes, leur alternative, c'est soit ils admettent qu'il faut qu'ils rendent leur tablier, et que ça veut dire que l'économie passe à nouveau sous contrôle du politique, et donc de la morale, pour citer Aristote, c'est-à-dire que l'économie redevienne une branche de la morale, d'une certaine manière, soit ils passent à la dictature totale, ils enlèvent le masque de soi-disant des règles du marché et de leur axiomatisation et de tout cet habillage mathématique pour faire croire que tout ça est scientifique, alors que c'est quand même un rapport de force et une domination, et ils passent en fait à la dictature. Or, c'est ce qu'ils sont en train de faire, à mon avis, mais ils ne peuvent pas dire, voilà, nous, maintenant, c'est la dictature des tenants du marché et on s'assoit sur le libéralisme. En réalité, on s'en fout. Donc, ils sont obligés de passer par des biais, des masques. Et ces masques, on le sait, c'est soit le terrorisme islamique, hein, depuis 2001, soit le réchauffement climatique anthropique, hein, je dis bien anthropique, soit effectivement la pandémie virale, qui sont quand même trois stratégies de soumission par la terreur et qui se prétendent à chaque fois en dehors de l'économie et n'ayant rien à voir avec l'économie, alors qu'elles sont motivées par une crise économique que je dirais terminale, même si le mot terminal, c'est toujours terminal d'un moment. Hein, voilà. Je crois que là, j'ai posé le décor. Hein. Merci Alain. Bah, écoutez, vos réflexions me font immédiatement penser aux travaux de Anthony Sutton, qui faisait le lien entre la haute banque, la haute finance de New York et la révolution bolchévique. On a l'impression qu'au-delà de cette dichotomie, de cette séparation, de cette opposition qui a traversé tout le XXe siècle, il y a une sorte de lieu où se fait une certaine unité, et c'est ce qui m'amènerait à la question pour Xavier Poussard. Xavier, est-ce que vous pouvez nous parler des hommes qui ont amené à cette crise, et en particulier des hommes qui ont été impliqués dans la crise des subprimes ? Donc dans le cadre de Faits et Documents, j'ai publié, je pense, le papier de référence sur le Grand Reset, pour une raison simple, et d'ailleurs qui m'a énormément surpris, c'est que ce Grand Reset a été publié, c'est un livre. Alors aucun média mainstream n'avait évidemment fait le travail de faire ne serait-ce qu'un écho. Le Figaro a fait un tout petit écho lors de l'annonce du Grand Reset en juin, mais n'a pas mentionné le livre, ni Le Monde, ni les gros médias anglo-saxons, et y compris les blogs, je dirais, alternatifs, n'avaient pas fait ce travail de simplement lire le livre et d'en extraire les citations marquantes. Donc, je dois dire que Faits et Documents a, en exclusivité mondiale,
publié les meilleures feuilles du livre Le Grand Reset, publié par le Forum économique mondial de Davos. Alors, sur les acteurs du Grand Reset, j'ai envie de prendre une image toute simple, qui est une image de la culture populaire, qui est celle de la World Company dans Les Guignols de l'Info, qui était incarnée par Stallone, même si, bon, évidemment, dans le tour de table de la World Company, il ressemble très rarement à Stallone. Mais c'était l'idée des Guignols, si vous voulez, pour pas se cramer tout de suite. Et puis, de toute façon, ils ont fini par disparaître. C'est un peu comme le poème en hommage à l'Holocauste. Quand ils sont venus prendre un tel, tu n'as rien dit parce que tu n'étais pas ça, etc., etc. Et donc, finalement, ils ont été emportés eux aussi. Et ils ont disparu. Mais leur image était excellente, cette image de la World Company, c'est-à-dire la compagnie mondiale, la multinationale, à la fois bancaire, pharmaceutique, médiatique, et puis aujourd'hui, au niveau de l'Internet. Là, ce sont, je dirais, les quatre piliers, et il ne faut pas se tromper, c'est à la fois la banque qui est au-dessus, je dirais, des grosses sociétés informatiques, et en même temps, c'est les grosses sociétés informatiques qui fournissent aujourd'hui l'outil de contrôle à la banque. C'est le rôle du logiciel d'intelligence artificielle Aladdin chez BlackRock, qui a succédé en quelque sorte à Goldman Sachs. C'était Goldman Sachs pendant la crise de 2008. Et aujourd'hui, on voit que BlackRock, qui déjà avait eu un rôle important dans la crise de 2008, a pris encore plus le pouvoir à l'occasion de la crise du coronavirus, puisque Yann reviendra dessus. Toutes ces préconisations qui sont la monnaie hélicoptère, la nouvelle théorie monétaire, qui sont en fait le débridage intégral de la planche à billets, ont été appliquées. Et de fait, BlackRock a pris le contrôle des banques centrales, ou du moins de la réserve fédérale américaine. Puisqu'en vérité, les anciens présidents de banques centrales sont cooptés à BlackRock. Enfin, c'est une structure complètement consanguine. Alors, je voudrais insister sur un point à propos de cette World Company, et je la comparerais à un iceberg, en fait. Si vous voulez, les médias mainstream regardent ce qu'il y a autour de l'iceberg, décrivent ce qu'il y a autour de l'iceberg sans jamais parler de l'iceberg. Ce qu'on appelle les complotistes ou conspirationnistes sont ceux qui regardent l'iceberg. Or, cet iceberg a une particularité, c'est qu'il a des propriétés inverses à celles d'un iceberg normal. L'iceberg normal, sa partie immergée est beaucoup plus importante que sa partie émergée. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on regarde l'iceberg, il est très important avec des tas de fondations, des tas de banques, des tas de sociétés, des tas de young leaders, etc. Et puis quand on regarde la partie qu'on voit jamais, et en fait, elle est extrêmement, 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 extrêmement réduite. Alors là, au niveau du Grand Reset, bon, on voit très bien les acteurs qui sont en avant, c'est-à-dire le Forum économique mondial, Bill Gates ou le Prince Charles, la Fondation Rockefeller. Donc ça, ils appartiennent à la partie émergée, et on voit jamais donc la partie immergée, qui est ce qu'on a découvert, et je le dis de façon très simple, grâce à Donald Trump. Et aujourd'hui, même les journalistes les plus anti-Trump le reconnaissent. J'ai lu le livre de Fabrizio Calvi qui s'appelle « Un parrain à la Maison-Blanche », qui est un livre sur les relations entre Trump et la mafia, qui est vraiment un livre à charge, et qui dit très simplement « Epstein pensait que c'était Trump qui l'avait balancé à la police de Palm Beach. Les avocats ont bien expliqué que toute la documentation relative à Epstein avait été déchiffrée par Trump pour les avocats des victimes, et toute cette documentation nous révèle cette partie immergée de cet iceberg qui tente de se maintenir au pouvoir, alors que, je le dis, il pensait avoir pris le contrôle après la chute de l'URSS. Justement, c'était la fameuse fable du monde unipolaire. La Chine était rentrée dans l'OMC, et l'idée derrière qu'ils allaient être absorbés par le marché, et que avec le marché viendrait derrière la démocratie de marché et donc le libéralisme, y compris politique. Finalement, les Chinois ont fait une prise de judo. Ils ont retourné les contraintes qu'on leur imposait pour finalement battre l'adversaire. Bon, là, c'est vraiment, on est sur le plan économique, mais il y a aussi des revers géopolitiques. Il y a des grosses figures, des porte-drapeaux de cette organisation que certains appellent mafia. Moi, je pense pas que ce soit une mafia. La World Company, ce n'est pas une mafia, parce qu'une mafia n'est pas nécessairement génératrice d'insécurité. Je m'explique, on est beaucoup plus en sécurité, par exemple, à Naples ou en Sicile, que dans n'importe quelle ville de France. Non, c'est une organisation, il faut le dire, terroriste,
parce que c'est une organisation qui terrorise les peuples, qui les terrorise par la peur avec le Covid, qui les terrorise physiquement avec le terrorisme islamique en donnant des statuts de réfugiés à des gens qui sont partis de leur pays pour suspicion d'affiliation à des organisations terroristes. C'est le cas des Tchétchènes, on l'a vu, etc. Donc honnêtement, c'est une organisation qu'on peut qualifier de terroriste et qui tente aujourd'hui par tous les moyens de garder la main et qui est beaucoup plus fragile qu'on le pense. Alors je vais citer un papier qui me semble très important, qui est paru dans Politique Internationale le 5 avril au milieu de la crise du coronavirus, pendant le premier confinement. Et donc c'est Dominique Strauss-Kahn qui le signe et ça s'appelle « L'être, l'avoir et le pouvoir dans la crise ». Et lui dit bien que le danger, c'est que la crise sanitaire nourrisse les vieilles pulsions nationalistes, mais il dit malgré tout que le Covid, qui est en fait le Great Reset, c'est la même chose, hein, il y a le même rapport entre Covid et Great Reset qu'entre 11 septembre et guerre en Irak, c'est-à-dire un événement dont le récit officiel est très contestable, avec une réponse qui est apportée, qui est encore plus contestable, et la relation entre les deux est loin d'être évidente, voire même absurde. Et tous les gens d'ailleurs qui pointe l'absurdité de la causalité prétendue entre les deux événements sont taxés de conspirationnistes et évidemment évacués du débat public. Et donc Dominique Strauss-Kahn nous dit le coronavirus, c'est une occasion inespérée de reprendre les rênes. Ça veut bien dire qu'ils étaient en train de perdre les rênes. Et il dit ce choc, nous l'avons. Et il conclut son papier en expliquant beaucoup dépendra de l'élection de novembre aux États-Unis. Et il dit il ne saurait y avoir d'armistice, encore moins de libération, il s'agit d'un effort de guerre de long terme. Voilà, donc en fait, ces gens-là nous déclarent la guerre. Je le dis, c'est une organisation terroriste. C'est pas une mafia, c'est vraiment une organisation terroriste. Et ils n'ont fait qu'aggraver leur processus de destruction depuis 2008. Merci Xavier pour ces éclaircissements. Cette image de l'iceberg que vous avez employée me fait penser à cette plaisanterie de Serge Gainsbourg, qui a coulé le Titanic, iceberg, encore un juif. Voilà, il y a un peu de ça quand même. Alors, on va donner la parole maintenant à notre directeur de l'antenne de RFM, Yann Purdhomme, concernant la situation présente. Alors, Yann, vous êtes plutôt versé dans les questions financières et bancaires, les questions monétaires. J'ai envie de vous poser, parce que je suis beaucoup moins initié dans ces matières que vous, une question toute simple, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en 2020, Yann ? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au grand reset, à la grande réinitialisation, et puis à la nouvelle théorie économique qu'on essaie de nous vendre avec, qu'on appelle la théorie monétaire moderne, la TMM, quand je me suis un peu intéressé à tout ça, j'ai vu énormément de similitudes, si vous voulez, avec ce qu'on a connu par le passé. Et du coup, ça m'a donné un peu envie de revenir sur la genèse de la crise de 2008 et tous les excès qu'on connaît actuellement. Et en fait, il y a un personnage absolument fondamental là-dedans, c'est Milton Friedman. Alors Milton Friedman, c'est un économiste américain, père de l'école de Chicago, les fameux Chicago Boys, et père du courant monétariste. Né dans une famille juive de New York, élève brillant, il émerge aux États-Unis dans le sillage de Alissa Rosenbaum, dit Ayn Rand, la célèbre papesse du capitalisme individualiste outre-Atlantique. Et il fait partie de cette génération de juifs qui prend le pouvoir intellectuel et économique aux États-Unis à partir des années 60. Et cette génération verra naître en son sein des responsables comme Alan Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen, Larry Summers, enfin vraiment des personnages de tout premier plan dans les administrations américaines et au sein de la réserve fédérale américaine. Donc c'est dire, si vous voulez, l'importance de ce courant et des réseaux qui s'y agrègent. Et de tous, Milton Friedman est vraiment le plus brillant. Il devient un défenseur acharné d'un certain libéralisme. Il a le sens de la formule, des provocations, des métaphores imagées. Did you ever have a moment of doubt about capitalism and whether greed's a good idea to run on? Well, first of all, tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? Bref, ça fait de lui une vedette. Et le courant de pensée qu'il anime, le monétarisme, va jouer un rôle majeur dans l'avenir des États-Unis et de l'Occident, en donnant, si vous voulez, les outils intellectuels et moraux justifiant la mise à mort des accords de Bretton Woods, soit l'architecture économique et monétaire de l'après-guerre. Qu'est-ce que le monétarisme, en fait ? Quels sont les grands principes du courant monétarisme ?
En 1963, Friedman coécrit avec Anna Schwartz un livre intitulé « Une histoire monétaire des États-Unis de 1867 à 1960 ». Donc ce livre, riche en statistiques et données historiques, analyse les conséquences des variations de l'offre de monnaie sur l'équilibre économique des États-Unis. Et suite donc à cette analyse, Friedman en sort une idée majeure, c'est-à-dire que l'inflation peut être maîtrisée si l'offre de monnaie, donc l'offre de monnaie qu'on injecte dans l'économie, suit une courbe de croissance linéaire qu'il arrive à définir à 3% par an. Voilà. Selon lui, si les banques centrales en fait, suivent rigoureusement cette règle, alors les marchés peuvent se réguler d'eux-mêmes et ainsi on peut supprimer toute réglementation, régulation qui deviennent dès lors inutiles. La main invisible en fait, punira les excès et récompensera les réussites. Voilà, c'est le fameux credo libéral. Et donc dans ce monde-là, adieu les taux de change fixes et la convertibilité en or, les monnaies suivent la loi de l'offre et la demande et leur prix est fixé sur le marché d'échange. Alors, c'est assez innovant. Théoriquement, il y a beaucoup de gens qui se posaient quand même des questions, parce que c'est vrai que cette idée de croissance linéaire de l'offre de monnaie, bon, c'était quand même un peu bancal. Mais pourtant, ce courant a connu un vrai succès. Les vraies raisons de son succès, en fait, viennent du fait que les hommes politiques américains, par pure démagogie, et pour financer la course avec l'URSS, souhaitaient se débarrasser du carcan que représentaient les accords de Bretton Woods, et notamment l'obligation de convertir le dollar en or à hauteur de 35 dollars l'once. Et le courant monétariste leur offrait sur un plateau la justification théorique de son enterrement en première classe. Et c'est d'ailleurs ce que fera Richard Nixon dans une célèbre intervention télévisée le 15 août 1971. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. L'or joue un rôle de garde-fou, si je puis dire, afin d'éviter les surchauffes et les excès de création monétaire. Le fait de mettre Bretton Woods à la poubelle fait qu'il n'y a plus de garde-fou du dollar. Dès lors, l'État américain peut creuser ses déficits et sa dette sans être importuné. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le monétarisme va mettre en place ce qu'on appelle le système d'échange flottant. Les monnaies, en fait, vont suivre, selon Friedman et le monétarisme, la loi de l'offre et la demande. Et donc, c'est le marché d'échange qui va fixer leurs valeurs entre elles. Donc l'or est complètement évacué. Et ça, selon les monétaristes, ça devrait jouer le rôle de garde-fou, c'est-à-dire que ça devrait empêcher les gouvernements de faire trop de déficits. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le contexte international de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les prix du pétrole flambent avec le choc pétrolier. Et les États-Unis, grâce aux accords de Quincy avec l'Arabie Saoudite et avec la pression qu'ils exercent avec leur armée, obligent, si vous voulez, les pays exportateurs de pétrole à libeller leur pétrole en dollars. Ce qui fait que si vous êtes un État moderne qui veut acheter du pétrole pour faire tourner son économie, vous êtes obligé d'avoir une réserve de dollars. Donc on est rentré dans un monde où finalement le dollar a supplanté l'or comme étalon de mesure et donc a permis aux Américains de vivre largement au-dessus de leurs moyens. Et la deuxième chose qu'il faut absolument évoquer, c'est l'émergence de la Chine. Parce que lorsque vous faites des déficits, vous créez de la monnaie. Et là, bien sûr, vous avez un problème, c'est l'inflation. Or, finalement, on s'est aperçu que quand bien même la Fed a créé énormément de dollars, les États-Unis n'ont pas connu une très grosse inflation. Pourquoi ? Parce qu'au même moment, vous avez eu l'émergence de la Chine qui est rentrée dans le commerce international et qui, à partir des années 80, a s'affirmé comme une puissance commerciale. Avec toutes les délocalisations qui vont se faire de l'industrie occidentale en Chine, les prix vont chuter. C'est-à-dire que l'intégration de la Chine dans le commerce mondial va jouer le rôle de rouleau compresseur déflationniste qui va venir contrebalancer l'inflation qui naît de la création monétaire de la Fed. Et il y a un autre facteur dont il faut parler, c'est l'immigration massive qui permet une déflation sur tout ce qui n'est pas délocalisable. Donc si vous faites l'addition de ces trois phénomènes, pétrodollar, libre-échange et immigration massive, on se rend compte que la Fed en fait, se retrouve dans une situation où elle peut générer une création monétaire comme on n'en aura jamais vu par les passés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on rentre véritablement dans le règne de l'argent-dette, une dette créée à partir de rien, simplement la vague promesse d'un remboursement futur. Yann, merci, je crois que c'est clair, ça explique en partie l'inflation absolument délirante de la masse monétaire, en particulier du dollar, mais pas seulement. On a vu ces dernières années que la Banque Centrale Européenne n'était pas en reste. Quelques commentaires, messieurs, sur les dernières remarques de Yann, Alain, Xavier ? Oui, alors sur l'exposé de Yann qui est très intéressant, j'aurais juste deux, trois précisions. Alors, il mentionnait Ayn Rand. Le livre, c'est « La grève » ou « La révolte d'Atlas » qui a été traduit en français, je crois, 20 ans après sa sortie aux États-Unis et qui est devenu donc, avec 20 ans de retard, le livre de chevet, si on veut,
de toute la technostructure, comme dirait Chirac, française. Ce qui explique le macronisme qui arrive avec 25 ans de retard par rapport au monde anglo-saxon, etc. Première remarque. Deuxième remarque, sur les banques centrales, on est rentré dans quelque chose de complètement fou depuis 2008, ce qu'on appelle les taux d'intérêt négatifs. Ça veut dire qu'en fait, les banques centrales payent les banques pour leur donner de l'argent, qui, elles, se font payer, puisque là, les taux d'intérêt, quand elles, les banques, reprêtent aux particuliers ou aux entreprises, là, sont plus du tout négatifs. Hein, donc déjà, on est dans une relation qui est extrêmement bizarre, et en retour, comme la monnaie est extrêmement incertaine, les banques payent en retour les banques centrales pour déposer leur argent en dépôt. Donc on est dans un circuit comme ça un peu bizarre. Et pourquoi on doit rentrer au niveau, je dirais micro, hein, dans la monnaie dématérialisée, hein, c'est-à-dire la monnaie électronique? C'est parce qu'en fait, il faut plus qu'il y ait de bas de laine. Et pour se faire des marges sur les entreprises et sur les ménages, il faut plus qu'il y ait de bas de laine. Et à ce moment-là, la banque réaugmentera ses tarifs de façon à se faire rembourser l'argent qu'elle met en dépôt dans les banques centrales sur les ménages. Voilà. Donc ça, c'est au niveau micro. Et au niveau macro, on voit bien aussi, et ça, Pierre Hillard en parle très bien, de tentative de mettre en place une monnaie mondiale. Alors, je cite Dominique Strauss-Kahn qui lui parle des DTS du... Vous aviez juste expliqué ce que c'est les DTS, parce que là tu parles un peu chinois parfois. Les droits de tirage spéciaux, si on veut, c'est une monnaie qui est utilisée par le FMI. Je vais pas rentrer dans des détails qu'en vérité je maîtrise pas. Hein. On voit aussi que l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui vient d'être nommé d'ailleurs à un autre poste aux Nations Unies pour piloter l'agenda 2030, là on est vraiment dans la structure même. Hein. C'est-à-dire qu'en fait ces gens-là sont complètement interchangeables. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de compétences. Si on peut piloter l'agenda 2030 de l'ONU sur la question climatique un jour, en ayant été banquier, en ayant dirigé la Banque centrale d'Angleterre, soit on est un génie, soit c'est qu'en fait, ces gens-là sont complètement interchangeables. Et lui, par exemple, au symposium de Jackson Hole, en août dernier, où a été définie auprès des banques centrales la nouvelle théorie monétaire qui allait être appliquée pendant la crise du Covid, Mark Carney, donc, qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre, lui a parlé du Libra, donc la monnaie de Facebook. Donc là, on peut très bien être dans des... comment dirais-je, à la fois nouvelles technologies. On voit aussi le brevet déposé par Microsoft de manière à générer de la monnaie Bitcoin par blockchain avec des capteurs sur votre cerveau. Donc en vérité, alors on voit effectivement une flambée de l'or parce que les gens vont vers des valeurs refuges puisqu'on fait tourner la planche à billets et qu'à terme, il y a forcément une perte de confiance en la monnaie. Mais est-ce que, à la limite, cette perte de confiance qui va provoquer une inflation et pas quelque part voulu pour provoquer un effondrement monétaire et à ce moment-là faire naître cette nouvelle monnaie articulée entre banques, nouvelles technologies, Big Pharma avec les capteurs, etc. et qui sera finalement indexée sur rien, quoi, qui sera juste des points, quoi, comme des jetons quand on est dans une kermesse, quoi. Alain Soral. Oui, ben là, on voit bien tout le piège de ce qu'on appelle l'économisme. C'est que c'est au départ, c'est quelque chose qui est là pour gérer la création de richesses par de la production. C'est-à-dire qu'au départ, on est dans du réel. Et puis, à un moment donné, on a des mathématiques qui se mettent au service de la gestion de la production. Hein, ça s'appelle la comptabilité. Et puis, à un moment donné, les mathématiques prennent le dessus. Où on en est aujourd'hui, c'est que l'économie, qui est au départ une réalité, est entièrement surdéterminée par des logiques mathématiques d'apprentis sorciers, hein, qui sont totalement déconnectées du réel. Alors on sait que ce glissement existe aussi dans la microphysique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut un très haut niveau en mathématiques pour comprendre l'infiniment petit, et on est obligé de sortir de ce que Bachelard appelait le chosisme, c'est-à-dire qu'on peut pas dire un atome c'est comme une orange ou des conneries, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, on passe par de l'abstraction mathématique pure. Mais là, on a le même phénomène qui s'est produit d'ailleurs à la même époque, hein, c'est à partir des années 60, où la mathématisation extrême à bouffer la réalité économique, et c'est ça le côté apprenti sorcier de Friedman et de ses petits copains, c'est qu'à un moment donné, ils vous disent oui, avec 3% machin, truc bidule, ça va marcher. Alors que, in fine, l'économie, c'est quand même des êtres humains dans des relations réelles, avec de la production, de la consommation, de la création de richesses ou pas, de l'entraide ou de la domination ou du parasitisme. Hein, vous voyez, en fait, le réel est passé sous la domination
de processus mathématiques purs qui sont devenus très très dangereux parce que si en microphysique ça n'a pas d'implication immédiate sur la vie quotidienne des gens, en économie on touche quand même à la vie quotidienne des gens et à la réalité. Et là, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, c'est l'économie a pris le pouvoir sur le politique, ça s'appelle l'épopée bourgeoise, et les mathématiques ont pris le pouvoir sur l'économie qui avait pris le pouvoir sur le politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un monde réel qui est resté réel comme toujours, hein, avec la vie, la mort, le manger, l'humanité, qui est entièrement dans la main d'un petit groupe de gens, très peu nombreux, qui pensent pouvoir faire marcher le monde et le dominer par de l'axiomatique pure, c'est-à-dire par des jeux mathématiques purs. J'ai rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Et c'est exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne. C'est tout, vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire. Eh bien, le grand reset, c'est qu'à un moment donné, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le phénomène de bulle, mais là, c'est la bulle des bulles, c'est qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle, ce que d'ailleurs Lénine appelait l'éternel retour du concret. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est là, parce que pour ne pas partir dans des... comment dirais-je, dans l'économie, mais justement faire de la critique non économique de l'économie, c'est qu'à un moment donné, il faut revenir à la réalité, et on est parti très très loin de la réalité, et les gens aujourd'hui qui ont le pouvoir, ont un pouvoir qui est un pouvoir d'usurpation, un pouvoir de délire, un pouvoir de mensonge. Le grand reset, c'est que normalement, ils devraient le rendre, ce pouvoir, c'est-à-dire on se calme, on revient à la réalité des échanges, on revient à la réalité de la production, à la limite on revient à un capitalisme productif, entrepreneurial, on revient à une réalité du marché. Or, ces gens-là, au lieu de rendre leur tablier, puisque en fait, c'est là qu'on peut reprendre des dates, en 2008, il aurait fallu faire le grand reset, mais le grand reset, le vrai, c'est-à-dire le grand ménage, le grand retour à une réalité. Et on a continué à aggraver cette mathématisation délirante. Et en 2014, la décision qui a été prise, c'est comme maintenant c'est irréversible et qu'en plus on est en danger de mort parce que ceux qui ont pris le contrôle du monde par cette escroquerie, parce que là on est bien dans des jeux d'écriture en but d'escroquerie, il y a de la spoliation, il y a du vol, parce que de l'autre côté les gens se font dépouiller quand même, faut pas oublier, parce que quand même, il faut bien qu'au bout quelqu'un paye quand même. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la liquidation de l'économie réelle des classes moyennes réellement productives et entrepreneuriales, PME, PMI, petit commerce, restaurant, etc., etc. Effectivement, le bas de laine qu'il va falloir piquer pour boucher une partie du trou, d'une certaine manière. Et ceux qui veulent piquer le bas de laine, c'est ceux qui ont monté la combine à partir de Friedman. Donc là, il faut retourner à du politique, c'est qu'on a une bande de voleurs qui nous ont arnaqués par du baratin mathématique et qui normalement devraient être chassés à coups de pied dans le cul aujourd'hui avec des réformes pour revenir à quelque chose de plus sain, qui est l'inverse de la mondialisation, on l'a compris, qui est de la c'est l'inverse de la dérégulation, de la déréglementation, de la mondialisation, de la dette. Il faut reprendre tout ça à l'envers. Et ces gens-là qui sont au sommet de cette pyramide, hein, c'est une pyramide, eh ben, comme en fait ils sont démasqués d'une certaine manière, eh ben maintenant ils passent à la dictature. Alors, dans un premier temps, pour que cette dictature soit acceptable, ils disent on est obligé de vous enfermer parce qu'il y a un virus, on est obligé de vous supprimer vos libertés parce qu'il y a des terroristes islamiques qui veulent vous égorger, on est obligé de vous empêcher de fonctionner parce que ça crée de l'empreinte carbone, vous voyez. Mais on sait très bien que toutes ces théories sont fallacieuses. Le réchauffement climatique anthropique est une escroquerie. Le virus, il y en a toujours eu et ça se gère. Donc là, on est dans la phase de gens qui, en se servant des mathématiques, je dirais, hein, ont pris le pouvoir sur le monde, on est en train de comprendre que cette prise de pouvoir est dévastatrice et qu'en fait c'est une immense arnaque, et ces gens-là qui sont terrorisés d'être remis à leur place, hein, c'est-à-dire punis, passent à la vitesse supérieure parce qu'ils ont quand même le pouvoir politique et le pouvoir, je dirais, du contrôle de l'argent. Ils sont en train, par les relais policiers, on voit très bien, hein, ils tiennent la police d'une certaine manière, ils tiennent l'armée, et ils sont en train d'essayer effectivement, un, de nous enfermer et de nous empêcher de nous défendre. La destruction de la classe moyenne, c'est aussi ça, parce que la classe moyenne, c'est le potentiel révolutionnaire. Ils sont en train, par la tentative, on le verra aussi, du pseudo-vaccin, de nous détruire corporellement nos capacités de défense et de combat, hein, de faire de nous quelque part d'un peu des zombies. Et donc, on est là, effectivement, dans une mer des batailles qui arrive, qui a beaucoup de dimensions eschatologiques. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut, à un moment donné, remettre l'économie à sa place à coup de pompe dans le cul. C'est-à-dire que je rappelle que chez les Grecs, comme dans les monothéismes qui ont fonctionné très longtemps,
si on cite Aristote, si on cite les évangiles ou si on cite le Coran, rappeler que l'économie est une branche de la morale, doit être surdéterminée par les valeurs, et les valeurs, je dirais, transcendantes, et que sa place est succursale de la morale et de la gestion empathique des autres. C'est là qu'on est dans un grand virage. C'est que ce qui est remis en cause, effectivement, c'est tout justement cet économisme. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas corriger l'économie par de l'économie. La cage dans laquelle on doit remettre la bête sauvage, c'est comme ça que l'appelait Hegel, ne peut pas être faite de la même matière que la bête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a un problème, là, justement, de philosophie. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut botter le cul de l'économiste avec de la philosophie et dire « c'est bien gentil tout ça ». Mais c'est une épopée historique, c'est une histoire, effectivement, qui arrive un peu à son terme. Et de même qu'on a dit, on a pu critiquer les grands récits, ce qu'on appelle les grands récits, les monothéismes, les révolutions, etc. L'épopée libérale est aussi un grand récit. Et c'est celui qui a tenu le plus longtemps, parce qu'il était le plus habile et le plus déguisé en, je dirais, en sérieux mathématique. Il était soi-disant le moins idéologique, et ça aussi c'est une énorme arnaque. Et d'ailleurs c'est toute l'arnaque de l'économiste dont on parlait tout à l'heure, c'est de dire toujours, voilà, en fonction de calculs mathématiques, la marche à suivre est celle-là, et c'est une démarche scientifique. Dès lors qu'on est dans des rapports humains, la science devient une science humaine, c'est-à-dire une science molle, qui n'a rien à voir avec la science dure. Et en dernière instance, c'est toujours des rapports de force, et en dernière instance, il y a toujours un concept qui... enfin, ce qui est plus qu'un concept, qui est une réalité, c'est la notion de travail. C'est qu'à un moment donné, il y a, le monde ne fonctionne parce qu'il y a des gens qui travaillent, parce que malheureusement, on n'est pas dans le jardin d'Éden, et qu'il y a des gens qui travaillent, qui participent à l'effort collectif, et puis il y a des gens qui spolient, et puis il y a des gens qui exploitent. Et à un moment donné, on revient à des fondamentaux assez simples, c'est qu'on a aujourd'hui au sommet de la pyramide de pouvoir mondial des gens qui sont des parasites et des spoliateurs, qui nous mentent à coups de mathématiques, mais ça commence à ne plus marcher, et qui cherchent aujourd'hui à se maintenir par tous les moyens. Le programme du Grand Reset, c'est-à-dire le bouquin de Schwab, énonce tous les moyens par lesquels ils vont essayer de se maintenir. Et comme le disait tout à l'heure notre camarade Xavier, en réalité, ils sont très peu nombreux. Ils sont vieux, faut pas oublier, ce sont un petit groupe de kakoshim, il faut regarder leur gueule, la gueule de Soros et ces gens-là, et leurs enfants, puisque là on est sur une aristocratie inversée, mais qui a joué le même rôle, leurs enfants sont des petits marquis dégénérés, il faut voir la différence entre les fils des uns par rapport à leur père et fils Biden, vous voyez, mais aussi père et fils Enthoven. Le fils Soros, faut aller sur l'Instagram du fils de Soros. Donc en fait, on a des oligarques kakoshim délirants, diabolique, avec des rejetons qui sont totalement dégénérés et servis par des gens qui sont soit des imbéciles, soit des corrompus, soit des lâches. Ce monde ne peut pas marcher encore très longtemps comme ça. Donc de toute façon, le grand reset, on va y avoir droit, mais il vaudrait mieux que ce soit pas celui qui nous prépare. Et je vois pas comment celui qui nous prépare peut durer longtemps, parce qu'il y a une phrase qui dit très bien les choses. C'est on peut mentir tout le temps à très peu de gens. On peut mentir quelque temps à tout le monde, on peut pas mentir tout le temps à tout le monde. Voilà, c'est à peu près ça. Xavier Poussard, juste une remarque avant que tu prennes la parole, Xavier. Oui, toutes les remarques que vous faites là sur les mathématiques, pour ceux qui veulent illustrer ces propos, vous pouvez aller regarder le très bon film des années 90, je pense, ça s'intitule Pi. Pi comme le symbole mathématique, Pi. Vous y trouverez beaucoup des choses que Alain a dites ce soir, je crois, de manière bien illustrée. Ensuite, vous avez parlé des kakoshim, il y a bien sûr les Soros, mais aussi le Schwab, qui apparaît de plus en plus régulièrement avec un costume de méchant de Star Wars. On dirait vraiment un méchant de film, Xavier. Oui, alors Schwab, c'est assez drôle comme personnage d'avoir mis ce type... qui est un économiste allemand qui a organisé dans les années 70 ce forum de Davos qui a souvent fait rire parce que c'est les gens qui faisaient la morale sur l'écologie alors qu'ils arrivaient tous en avion, enfin presque un peu démodé. Je signale quand même que le dernier forum de Davos a été quand même historique parce qu'il y a eu la menace de Soros qui a bien expliqué que dans un contexte particulier, révolutionnaire ou très particulier, Trump pourrait pas être réélu, et puis Trump qui a encore une fois déclaré la guerre aux mondialistes. Alors ensuite, mettre Klaus Schwab en avant, c'est quand même étonnant parce qu'il parle anglais avec l'accent allemand, quoi. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. In short, we need a great reset.
On dirait vraiment, ouais, c'est ça, on est dans Star Wars, quoi. C'est hallucinant. Alors, sur l'expression Great Reset, j'ai fait des recherches complémentaires depuis mon article pour voir, avec des bases de données assez poussées, pour voir quand remontait cette expression. Et effectivement, elle remonte à la crise de 2008 et on la voit apparaître dans des rapports d'analyse de banques dès le début de l'année 2008, je crois, de Citibank. Et ensuite, le terme, si vous voulez, repris dans un premier livre qui est signé par un géographe new-yorkais de l'Université Columbia qui s'appelle Richard Florida. Et lui, sa théorie, c'est qu'en fait, on va vers un monde où il y aura deux classes, c'est-à-dire une classe urbaine, mobile, créative et tolérante, vous voyez, dans des villes attractives comme ça, avec des gens qui ont la connaissance. Et puis, en fait, il y a les ploucs, il y a tout le reste, quoi. Et eux, à la limite, ils peuvent disparaître. During the course of this economic crisis, the rate of unemployment in manufacturing, in production work hit 14%, in construction hit 20%, and the knowledge in professional and creative jobs it's yet to hit 5%. Over the course of the next decade, we will generate another 7.5 million jobs in the knowledge, professional, and creative sector of the economy. Those jobs already account for 50% of all wages and salaries paid. These jobs are the driving economic force of our time. Et si vous voulez, c'est exactement la pensée de Laurent Alexandre. Et c'est très intéressant, Laurent Alexandre, parce qu'il succède à Attali dans la page des éditoriaux de l'Express. Et lui, c'est celui qui assume, justement, c'est plus inclusif, quoi. C'est-à-dire que vous êtes des merdes. Et il le dit quand il passe à Alix, à Polytechnique, d'ailleurs, qu'un type comme ça puisse être invité à Polytechnique, ça dépasse l'entendement. Il dit, mais vous êtes des hommes dieux. Et les autres sont des inutiles. Les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons. Et en fait, c'est ça le grand reset, c'est de dire, au bout d'un moment, mathématiquement, on n'a plus besoin de vous. Vous devez disparaître. Et là, on voit, je parlais d'organisation terroriste tout à l'heure, enfin, il y a quand même une vraie déclaration de guerre à l'humanité. Et ça, elle est officielle, elle est écrite. C'est sidérant, c'est absolument sidérant, mais on est face à cette bête. Et encore une fois, je vais prendre une comparaison par rapport à la chasse. Le gibier est jamais plus dangereux que quand il est touché, agonisant et sur le point de mourir. Et en fait, on est face à cette bête-là qui est en train de mourir et qui, dans son agonie, donne des énormes coups de griffe et essaye de tuer. Et voilà en face de quoi on est. Donc je dis surtout aux gens qui nous écoutent de pas avoir peur, de bien comprendre face à quoi ils sont, de pas surestimer l'adversaire, parce que comme le disait Alain, il le rappelait, c'est effectivement une bande de Kakoshim, hein. On est sur du 85 ans de moyenne d'âge. D'ailleurs, la plupart sont morts. Je crois que Brzezinski est mort, Rockefeller est mort, les enfants effectivement sont des dégénérés, il reste Kissinger. Et puis, plus on va dans les générations qui suivent, moins il y a de qualité. Et puis, il y a une reproduction. Là, on voit Blinken, qui est nommé secrétaire d'État, il me semble, de l'administration Biden. C'est le fils, c'est le gendre de Samuel Pizarre, qui était déjà le conseiller de Giscard. Enfin, vous voyez, on est dans un truc qui est complètement de reproduction par le sang, sans aucune légitimité, parce que l'ancienne génération, à la limite, qui était arrivée, je dirais, à son apogée avec le monde unipolaire et la fin de l'histoire en 1990, c'était des gens qui, si vous voulez, étaient issus quand même de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, ils avaient un vécu, malgré tout, ils avaient un vécu. Or là, c'est des gens qui... Il faut voir Nicolas Begruen qui se prétend être le successeur de Soros. Enfin, en plus, ces gens-là ont des Instagram, si vous voulez. Ces gens-là existent, ils ont des identités, ils ont des Instagram. Vous allez sur leurs Instagram, vous regardez leur vie. Mais enfin, vous êtes effondrés. Ils sont effondrants de nullité, quoi. Donc, je dis aux gens de vraiment garder l'espoir et de continuer à travailler, de continuer à travailler sur tout ça. Vous vous levez le matin, vous travaillez. Même si on vous empêche de travailler, bah, vous travaillez. Et puis ils ne tiendront pas longtemps, voilà. Xavier, merci. On va donner la parole quelques instants à Yann Purdom, directeur de l'antenne de RFM. Yann ? Oui. Vous parliez tout à l'heure de Davos, là, ce club millionnaire, d'où est partie en fait cette idée du Grand Reset.
Ce qui est intéressant, en fait, je pense, c'est que, comme je l'ai expliqué, donc la création monétaire là, qu'on a vécue nous fait passer de crise en crise. Donc, il y a eu la crise de la bulle Internet. Ensuite, il y a eu la crise des subprimes, la crise des dettes souveraines avec la crise de la zone euro. Maintenant, on arrive vraiment un peu à la crise terminale du dollar qui s'annonce. Et en fait, n'importe quel économiste un peu posé et puis honnête verrait que finalement, la solution simple pour sortir de cette fuite en avoir, ce serait de dégonfler les bulles, quoi. Cette énorme bulle de crédit qui s'est créée et de rentrer en déflation qui permettrait finalement que l'économie soit plus saine et qu'on puisse effectivement repartir sur des bonnes bases. Mais cette élite de Davos n'en veut pas. Pourquoi ? Parce que effectivement, ce sont des gens qui se sont formidablement enrichis sur cette création monétaire. Ils sont tous multimilliardaires. Et donc, bien sûr, une déflation pour eux, c'est une division par 10 de leur richesse. Donc, je ne pense pas que ce soit une option possible pour eux. Et donc, ce sont quand même des gens lucides et pragmatiques. Et bon, ils sentent bien quand même que politiquement, la situation est plus tenable. Il y a eu l'élection de Trump, le Brexit, le mouvement des Gilets jaunes qui ont fait quand même l'effet d'un électrochoc. Dès lors, un peu comme dans les années 70, quand il a fallu tuer Bretton Woods, ils réfléchissent à un nouveau cadre, un nouveau paradigme, en fait, qui pourrait donner du sens à la situation. Lorsqu'on parle de l'économie, il faut bien entendre que l'économie, c'est vraiment la science de la justification des inégalités et de l'injustice. Et donc, c'est là, si vous voulez, qu'arrive cette fameuse théorie monétaire moderne qui nous est vendue avec le Great Reset et qui va jouer justement ce rôle, un peu le rôle qu'avait joué le monétarisme dans les années 70 pour permettre finalement de changer de paradigme. Qu'est-ce que c'est que la TMM, cette théorie monétaire moderne ? On peut dire pourquoi la TMM, c'est le prolongement du monétarisme, parce que finalement, la TMM remet en cause la notion de déficit et de dette. Et c'est pour ça que partout maintenant dans les journaux, vous pouvez voir éclore des sujets comme « faut-il rembourser la dette ? Est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans une dette perpétuelle ?» Donc, il faut bien comprendre que tout ce questionnement-là, en fait, tout ça, c'est l'introduction de la TMM dans le débat, en fait. De dire que finalement, un État, ce n'est pas une entreprise ou un ménage, et qu'il n'a plus besoin de collecter l'argent par l'impôt pour fonctionner. Il peut accumuler les dettes sans contrainte sur ses capacités fiscales et sans être soumis au risque de défaut. Et donc, par ses dépenses, il alimente en monnaie l'économie. On est encore dans le prolongement de Friedman, parce que finalement, on est toujours dans cette idée où on peut inonder l'économie de monnaie avec une justification théorique. Donc, quand Friedman a pris le pouvoir, ils nous l'ont joué, enfin, ils ont essayé de séduire l'électorat conservateur WASP en se faisant passer pour des libéraux durs. Et puis là, maintenant, ils nous refont le coup avec donc cette Sandy Kelton, qui est la papesse, en fait, de la TMM, qui a sorti un bouquin là, cette année, qui était conseillère économique de Bernie Sanders en 2016 et en 2020. Ils essaient de nous réintroduire cette théorie avec la gauche, enfin du moins avec le courant démocrate progressiste. Et donc on voit éclore aussi des sujets comme le revenu universel. Donc le revenu universel, bien sûr, au-delà du fait que ça permet d'avoir un contrôle total sur la population, puisqu'on peut vous couper le robinet quand on veut, il faut bien comprendre que dans la tête des ingénieurs du Grand Reset, le revenu universel se mariera avec la technologie blockchain, donc la mise en place de la monnaie digitale pilotée directement par les banques centrales. Et donc, les banques centrales auront un accès direct sur votre compte. Ça permettra, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de piloter la politique monétaire de manière beaucoup plus directe, puisque les écueils que j'ai soulignés tout à l'heure concernant le monétarisme, quand j'expliquais que la banque centrale avait... pouvait pas interférer directement sur l'économie réelle puisqu'elle était obligée de passer par les banques. Bon, là, les banques sautent. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, les banques vont être sacrifiées. On voit que les banques sont très mal, notamment les banques françaises, et que je pense pas qu'il soit prévu de les sauver. Donc, je pense que les banques vont être sacrifiées sous l'autel du Great Reset pour finalement laisser aucun intermédiaire entre la banque centrale et les ménages et les entreprises. Ça permettra donc à la banque centrale de contrôler directement la masse monétaire et donc, par la technologie blockchain, pourra contrôler la vélocité, créditer ou débiter votre compte selon ses impératifs de politique monétaire. Par exemple, Je crois qu'il y a peut-être d'autres arrière-pensées. Je pense que là c'est sûr que bon, vous avez raison, il y a un contrôle direct des banques centrales sur la monnaie. Mais est-ce que ce n'est pas plus simplement que ça, la mise en place d'une sorte d'esclavage par le contrôle de la blockchain qui vous permettra de contrôler, qui permettra aux banques centrales de contrôler finalement tous les achats, tous les paiements, enfin, toute la vie économique de tout le monde, en fait, Alain Soral. Oui, une fois de plus, il faut essayer de prendre un peu de hauteur. Et en fait, il y a une logique qui apparaît, qui est quand même assez simple, parce que le principe d'une équation, c'est que
elle doit tomber juste, quoi. C'est-à-dire que ça doit faire zéro, ça doit s'équilibrer. On voit très bien qu'il y a une fuite en avant de la dette et que là, d'ailleurs, le confinement oblige en fait la classe moyenne entrepreneuriale, qui, je le rappelle, sa caractéristique, c'est d'être propriétaire de ses moyens de production. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Elle est propriétaire de ses moyens de production, c'est pas le salariat, hein. Salariat, il n'est pas propriétaire de ses moyens de production. La classe moyenne, c'est spécifique, propriétaire de ses moyens de production. C'est-à-dire que c'est ce qui correspond réellement à l'économie libre et à l'économie d'entreprise. Et voilà, on les pousse à s'endetter à mort auprès des banques pour ne pas crever, hein, les restaurants, les PME, les PMI, en les empêchant de travailler. Et une dette, c'est toujours une hypothèque. À moi, c'est énorme. 4 semaines de chiffres qui ne rentrent pas, c'est énorme. On a beau repousser les crédits, etc., ils seront là. Hein. Ce n'est pas des cadeaux. Hein. Aujourd'hui, on ne nous fait pas de cadeaux. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que va leur proposer le système ? On vous annule votre dette. En l'échange de quoi ? On vous spolie de tous vos biens, puisque vous en avez. Hein. Donc, on voit bien, c'est pour ça qu'on peut parler d'une sorte d'URSS à l'envers, mais qui n'a pas besoin d'un complot communiste. Hein. C'est que ça s'appelle la concentration maximale du capital. Il faut quand même reprendre un peu de recul et comprendre les logiques de ces mécaniques. Donc, aggravation de la dette par le confinement délirant, répété, systématique, annulation de la dette contre spoliation du bien, hein, en l'échange de quoi ? Revenu universel. Et pourquoi cette réforme, il faut comprendre qu'elle passe par la gauche et que ce n'est pas du tout du fascisme, entre guillemets. Enfin, c'est du fascisme qui passe par la gauche. Parce que tous les gens de gauche, qui sont souvent des salariés de l'inutile, animateurs sociaux, étudiants inutiles, ce qu'on appelle animateurs du procès de consommation, ils vont trouver ça très bien, parce qu'eux, ils n'ont pas de bien. Donc, on ne va rien leur prendre à eux. Et ça va nous être vendu par la gauche au nom de l'égalité, de la solidarité, de la fin à la fois de la logique de l'argent, ce mot qui résonne toujours négativement dans la gauche, et aussi de la fin de l'idéologie du travail. Parce que d'une certaine manière, l'entrepreneur qui se levait tôt le matin pour bosser, pour se faire un patrimoine, sera déclaré comme c'est un mauvais joueur. Et de toute façon, il est détesté par le gauchisme. C'est-à-dire que là, on a un fascisme qui arrive par la gauche, ce qui est quand même donc un front renversé. Hein, ça me rappelle un peu la ligne Maginot, vous savez. Les gens s'en sont les Maginot, puis, ou le rivage des Sirtes, et puis ça arrive par derrière. Quoi, hein. C'est-à-dire qu'on voit très bien pourquoi le gauchisme a été alimenté et poussé à bout de bras par le grand capital, parce que le grand capital, pour faire son grand reset, va se servir du gauchisme, comme il va se servir d'ailleurs de l'écologie, et que tout ça va être fait au nom du partage, de la fin de l'idéologie du travail, rappelez-vous Lafargue, hein, le beau-fils de Marx, finalement, le revenu universel, même un con comme Chouard et Pour, hein, je veux dire, tous ces gens-là vont abonder, ça va montrer du doigt finalement l'entrepreneur comme un emmerdeur qui veut s'enrichir, qui veut faire bosser les autres, etc. Et finalement, une fois de plus, le pouvoir bancaire sera masqué par cette guerre déclarée à la classe moyenne. Rappelez-vous Arlette Laguiller, employée de banque, qui parlait tout le temps de patrons et de travailleurs. Ce qui prouve d'ailleurs qu'on ne peut pas se passer de travailleurs dans les entreprises, mais les patrons, on peut très bien s'en passer. Il n'y avait jamais le mot banquier dans l'histoire, alors qu'il y a très longtemps que le capitalisme, et le capitalisme bancaire a pris le pouvoir sur le capitalisme entrepreneurial. Hein. C'est l'enjeu d'ailleurs du fascisme, hein. C'est l'enjeu des années 30, hein, de savoir qui va gagner cette guerre entre bourgeoisie entrepreneuriale et bourgeoisie bancaire. Hein. C'est ça l'histoire des années 30, quand on veut bien l'étudier sans passer par le catéchisme officiel. Hein. Donc là, on a bien actuellement encore stratégie d'aggravation de la dette. Derrière, déjà programmée, proposition d'annulation totale de la dette contre quoi ? Spoliation des biens. C'est-à-dire que là, il y a toujours pareil. On vous annule quelque chose qui n'existe pas, qui est des mathématiques, c'est-à-dire des prêts, l'argent dette, de prêts d'argent qu'on a fabriqués, contre quelque chose qui existe, le travail, l'épargne, les biens de gens qui ont travaillé pour accumuler ça. PME, PMI, restaurateurs, petits commerces, c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Et revenu universel, effectivement, entièrement monnaie numérique, qui vous sera attribué en fonction de critères moraux. On vous dit comme les Chinois, mais les Chinois, ils ne sont pas partie prenante dans l'histoire. Les logiciels qui sont déjà en place pour gérer tout ça sont israéliens, hein, je vous le rappelle. Ça ne sera pas la technologie chinoise. Les Chinois, c'est un monde, ce n'est pas le nôtre. Là, on parle quand même du monde occidental, et surtout de l'Europe, qui va être le dindon de la farce de tout ça. Donc aujourd'hui, on a une guerre à mort qui est engagée contre en fait la classe révolutionnaire, qui est la classe moyenne. Et c'est ce qu'on appelle une guerre préventive. Rappelez-vous que la guerre préventive, c'est Esther, c'est déjà dans l'Ancien Testament, et c'est aussi Kouchner, les French Doctors, la nécessité de l'ingérence humanitaire, voyez ? Le devoir d'ingérence, puis le droit d'ingérence. Et en fait, ce qui est en train d'être mené en ce moment, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut prendre de la hauteur sur l'économie. L'économie, c'est pour les couillons. Hein. Moi, je fais de la philosophie et je fais de la critique de l'économie politique. On est en train de déclarer une guerre préventive à la classe moyenne, parce que la
la classe moyenne et la classe révolutionnaire, et c'est la classe qui pourrait mettre dehors la bande à Soros ou la bande à Friedman. Hein, voilà. Donc on est en train de tuer d'abord l'économie réelle, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même toujours dans la même logique que l'économie purement virtuelle incarnée par BlackRock mène une guerre à mort contre l'économie réelle puisqu'elle se nourrit, il ne faut pas oublier. Hein. Il y a un braquage hein, derrière les habillages mathématiques, il y a quand même réellement une spoliation, il y a un vol. Il y a des gens qui sont de plus en plus pauvres, des entrepreneurs qui font faillite dans les 5 ans, et puis des entités financières qui ne produisent rien et qui, à un moment donné, maîtrisent une masse de monnaie qui leur permet d'avoir un pouvoir total par la corruption sur le politique. Il ne faut pas oublier quand même qu'en dernière instance, tout ça est une histoire de pouvoir. C'est le pouvoir de la corruption. En ce moment, il va falloir parler aussi de ce qui se passe aux États-Unis avec le coup d'État. Bah, on en parlera probablement dans une autre édition ou dans les bonus. Xavier ? Sur le revenu universel, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Nous, à Fait et Documents, bon, on essaye toujours de voir les signaux faibles en regardant des documents internes à certains cercles de pouvoir et au revenu universel qui se cache derrière ce qui s'appelle l'économie du bien-être ou l'économie sociale et solidaire, enfin toute cette novlangue est quelque chose d'absolument central, c'est-à-dire la fin de la valeur travail. Et ça, dans l'équation, c'est au bout d'un moment qui produit, quoi. Et alors on nous explique, oui, alors ça va être des robots. Enfin tout ça paraît extrêmement délirant, quoi. C'est des gens qui sont rationnels mathématiquement sur le papier, comme le disait Alain, mais si vous voulez, la retranscription dans le réel ne colle jamais. Et en fait, le réel ne répond plus, quoi. Ça me fait penser à un roman écrit il y a quelques années par Jean-Christophe Ruffin, qui a été, je crois, également ambassadeur de France sous Sarko, si je ne me trompe pas, qui avait écrit un charmant roman sur le mondialisme, justement, qui s'intitulait Globalia, où il y a beaucoup de thématiques qui sont réapparues depuis cette histoire de Covid-19, depuis cette affaire aussi de Grand Reset, qui, je le rappelle, n'est pas une théorie conspirationniste. Hein. Le Grand Reset est en train de se mettre en place sous nos yeux. Oui, Xavier. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, et c'était la première chose que je voulais préciser. On a écrit dans notre article publié sur Égalité et Réconciliation et dans notre dossier que le Grand Reset avait été annoncé le 3 juin. Or, en faisant d'autres recherches, je suis tombé sur une dépêche de la Deutsche Presse Agentur, c'est-à-dire la FP allemande, si on veut, qui annonce justement dès le 23 janvier, c'est-à-dire lors du forum de Davos, il n'y a pas encore de pandémie mondiale, il n'y a encore rien, personne n'a encore entendu parler du Covid. C'est-à-dire pour l'instant, c'est quelque chose de purement chinois. Et bah, dès le 23 janvier, qui est déjà le jour où est annoncé le programme de vaccination mondiale, hein, le 23 janvier, c'est-à-dire on est 3 mois avant le premier confinement. Ils annoncent le Grand Reset et ils annoncent le programme de vaccination mondiale. Autre chose, et pour revenir sur l'histoire de numérologie de Christine Lagarde, en fait, j'ai compris en voyant cette dépêche que la date du 3 juin avait été choisie pour quelle raison ? Parce que dans leur numérologie à 2 balles, ça donne 666, 3 fois 6, 666, et voilà. Et c'est pour ça que ça a été annoncé le 3 juin aussi bêtement. Donc en même temps, on est dans quelque chose d'infantile, quoi. C'est minable. C'est ça qui me... Je veux vraiment insister là-dessus parce que je vois beaucoup dans les commentaires des gens qui sont désespérés. Par exemple, je vois le cuistot de la télévision étoilée basque. Bon, bah lui, par exemple, quand j'écoute ses interventions médiatiques... Monsieur Etchebest. Voilà, on a toujours l'impression qu'il fait tout, mais pourquoi, alors que j'ai tout fait, le gouvernement ne m'autorise pas à ouvrir ? Ben oui, on a tout fait. Comme de bons élèves, on a fait tout ce qu'on nous a demandé pour arriver à quoi ? À une fermeture. Donc c'est génial. Tu vois, donc il y a quand même beaucoup de gens. Alors peut-être qu'il fait ça parce qu'il est à la télé et que bon, il a des contrats aussi, je sais pas. Mais bon, je pense malgré tout que beaucoup de gens n'ont pas encore conscience de la chose. Et ceux qui ont pris conscience sont confrontés à des gens qui, eux, n'ont pas pris conscience. Et bon, il faut quand même garder, être pessimiste dans l'analyse et optimiste dans l'action. Et je pense que ça, c'est absolument central et comprendre que nos adversaires sont dans des opérations de guerre psychologique. Alain ? Oui, important de quand on voit le côté un peu guignolesque de tout ça, revoir sur Internet, puisque tout ça est accessible sur Internet. Alors, je précise déjà que le Grand Reset n'est pas un délire complotiste, puisque c'est un livre hein, qui s'appelle Covid-19, le Grand Reset, qui est co-signé par Schwab et qui est même traduit en français. Donc, en fait, c'est un programme avec un agenda
Donc, de dire que c'est un complot, c'est juste un mensonge de l'oligarchie et des médias qui travaillent pour eux. Mais en fait, il n'y a pas de discussion là-dessus, puisque c'est un programme avec un agenda, et vous pouvez l'acheter d'abord en anglais et même maintenant traduit en français sur Amazon. Hein, voilà. Donc, et vous le lisez, et puis vous verrez que tout est bien dedans. Hein. Alors après, ce qui est marrant, c'est que je suis retourné voir la vidéo de Lagarde qui est sur YouTube. Il y a encore des trucs sur YouTube. Et ce qui est marrant, c'est que Christine Lagarde, qui est la patronne du FMI à ce moment-là et qui est donc à Davos, fait un espèce de numéro de numérologie à base de 7. 7, 7, 7, le grand reset. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. Et donc, on se dit, c'est marrant de faire de la numérologie comme ça pour initier, mais c'est quand même accessible sur Internet. Donc, on voit bien que là, pour ceux qui ont vu le film Pi dont tu parlais tout à l'heure, qu'il y a tout un arrière-monde de numérologie kabbaliste qui peut être assez effrayant, parce qu'on voit qu'on est quand même chez des gens qu'on croit être des gens rationnels qui se servent des mathématiques, mais en fait, non. Les mathématiques sont surdéterminées par quelque chose de totalement ésotérique et de magique, et même de ce qu'on peut appeler de diabolique. Et si vous regardez maintenant le forum de Davos, qui s'appelle Forum économique mondial, hein, vous allez voir que les trois O qui sont dans un cercle sont reliés par un arc qui fait que ça fait 666. Donc on a en permanence des gens qui s'amusent à mettre de la numérologie, on n'est pas dans le délire complotiste, c'est eux-mêmes qui mettent en scène ce genre de code, ce genre de message codé. Alors, est-ce qu'ils y croient ? Est-ce que ça les amuse ? Mais en tout cas, chaque fois qu'on cherche ce genre de signe, ils n'arrêtent pas, ces dingues là qui ont pris le contrôle du monde, ils n'arrêtent pas de jouer à ça. Hein, voilà. Et est-ce qu'ils rigolent tant que ça ? Ou est-ce que finalement on est tombé chez des gens qui sont effectivement des apprentis sorciers et qui sont, ben là on a une logique maçonnique, hein, des gens qui en fait se déclarent profondément anti-chrétiens et sont dans une logique prométhéenne. Là on pourrait demander à notre ami Stéphane Blais qui a été un ancien initié maçonnique, de voir que les hauts gradés de la franc-maçonnerie, effectivement, se réclament de Lucifer, qui est pour eux un émancipateur de la loi naturelle. Hein, la loi naturelle, c'est respecter certaines limites que Dieu nous donne, et ces gens-là, effectivement, sont hors limite. Les mathématiques et la mathématisation de l'économie leur a permis d'ailleurs d'accéder à du hors limite, mais c'est du hors limite temporaire, c'est de la bulle. Hein. Donc on voit bien que tous ces sujets, toutes ces manières d'aborder la chose de manière très, très réaliste ou de manière assez magico-délirante fusionnent aujourd'hui dans un espèce de moment là, dans lequel on est, qui s'appelle le projet du Grand Reset, dont on peut faire une lecture totalement matérialiste, les contradictions de la dérive du capital, ou totalement, je dirais, religieuse, avec quelque chose qui a à voir avec l'antéchrist. Vous voyez, tout ça en ce moment converge, hein, et fait sens, et c'est pour ça que ça peut être assez effrayant, et en même temps, il y a toujours cette ambivalence, c'est assez effrayant, puis aussi assez ridicule en même temps. Hein. Quand on voit, regardez Christine Lagarde faire son numéro de numérologie en 2014, on voit quand même une espèce de bonne femme, on l'imagine première de la classe, un peu vieille fille, un peu moche, avec une vie privée un peu triste, et qui d'un seul coup s'est fait un peu prendre le cerveau par son psy, d'une certaine manière, ou par quelqu'un qu'elle consulte. Vous voyez, comme certains peuvent être dans le sadomasochisme sexuel, et on a l'impression que ces gens-là sont en fait totalement perdus. Alors après, effectivement, on peut dire Dieu les a abandonnés ou ils ont abandonné Dieu, et on a des gens qui sont à la fois des dingos, des paumés, un peu des monstres, et qui sont en train de nous amener à quelque chose de très, très inquiétant. Et là, je rappellerai, quand on regarde les films des années 70 de science-fiction, qui étaient très souvent dystopiques, hein, c'est le mot à la mode, je me rappelle de Soleil Vert, vous voyez. On est un peu dans Soleil Vert, et je vous rappelle que Soleil Vert est un film américain qui montre quoi ? Qui montre l'Amérique, qui ne montre pas l'URSS. Hein, là, je refais encore à nouveau remarquer qu'il n'y a pas besoin de passer par le communisme, l'URSS, et que même quand on voit ce qui est devenu la Russie aujourd'hui sous Poutine, elle a renoué avec l'orthodoxie, elle a rompu totalement avec ce matérialisme soviétique. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt du côté de Cromwell qu'il faut aller voir, c'est plutôt du côté d'Amsterdam, de Londres, de New York, hein, c'est plutôt du côté, on va dire, de l'Occident judéo-chrétien qu'il faut aller voir le problème. Notre ami Yann, tout à l'heure, nous citait les noms des apprentis sorciers de la nouvelle économie. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de catholiques là-dedans, et ça pourrait peut-être nous amener à la transition sur Trump et l'élection américaine, sans doute. Très bien, bah, Alain, merci beaucoup. Xavier, merci infiniment pour ces échanges très riches. On se retrouvera la prochaine fois pour un nouvel épisode de Le Grand Reset ou Le Grand Ménage.
toujours avec Alain Soral, Xavier Poussard de la rédaction de Faits et Documents, et un invité que je me réserve de vous communiquer ultérieurement. Chers amis éditeurs, on se retrouve juste après ça pour les bonus. Et autrement, n'oubliez pas, vous pouvez nous aider sur le site d'Égalité et Réconciliation. Vous avez tous les outils pour nous aider financièrement, nous soutenir. Faites-le de manière régulière, ce qui nous permet de construire dans l'avenir des projets tels que celui-ci. Chers amis éditeurs, je vous dis à la prochaine fois. C'était Monsieur K pour le Grand Reset.